Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Cooking Culinaire avec une nouvelle recette très gourmande de riz et de saumon cuit au four. J'espère que le confinement se passe bien, qu'on s'ennuie pas trop et on va passer tout de suite à la préparation de la recette. Alors, pour le poisson, on a besoin de 4 pavés de saumon, des tomates cerises, persil et coriandre, une gousse d'ail hachée et des épices, donc une demi-cuillère à café de cumin, curcuma, poivre noir et un petit peu de sel. On a besoin d'huile, d'une mesure de riz, 2,5 mesures de bouillon de poisson ou de légumes, un poivron vert coupé en petits morceaux, un oignon haché, une gousse d'ail haché, persil et coriandre, des épices, une demi-cuillère à café à chaque fois de poivre noir, d'ail séché, de paprika, de la cardamome et une demi-cuillère à café pareil de cumin, de curcuma, de gingembre. Et je commence dans un premier temps par la préparation du saumon. Donc dans un récipient, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais ajouter la coriandre avec le persil, j'ajoute l'ail haché, j'ajoute ensuite les épices. Et en fait, je vais bien écraser le mélange pour faire ressortir en fait tout le jus. Je récupère un plateau allant au four, je dispose ensuite mes pavés de saumon. Et je vais mettre mes tomates cerises entre chaque pavé de saumon. Comme ça, elles vont s'imprégner du jus de cuisson. Ensuite, je récupère le mélange d'ail, d'herbes, d'épices, etc. Et je vais badigeonner mes pavés de saumon. Et j'ajoute un petit peu d'eau sur les côtés pour éviter que le saumon soit sec au moment de la cuisson. Hein, pour avoir un saumon plus tendre. Voilà, j'enfourne pendant 20 minutes environ à 220 degrés. Ensuite, je passe à la préparation du riz. Et donc, dans une marmite, je vais mettre 2 à 3 cuillères d'huile. 2, c'est très bien, hein, ça suffit. Je mets ensuite l'oignon haché. Je fais revenir un petit peu. J'ajoute ensuite le poivron coupé en petits morceaux. Pareil, je fais revenir un petit peu. J'ajoute le persil et la coriandre. Je verse ensuite le riz sur le mélange en fait de légumes, sachant que le riz, je l'ai lavé dans un premier temps, je l'ai laissé un petit peu sécher, ça, en fait, ça retire l'amidon et du coup on a un riz qui est moins collant à la cuisson. Voilà, ensuite je vais ajouter l'ail et les épices. Et je mélange tout ça et là déjà on commence à avoir une jolie couleur de riz. Enfin, je vais verser dessus donc le bouillon. Donc c'est soit un bouillon de poisson, soit un bouillon de légumes tout simplement. Moi, c'était un bouillon de safran, goût safran. Et on n'oublie pas, c'est 2,5 doses. Donc c'est 1 dose de riz, 2,5 doses de bouillon et vous avez une cuisson parfaite au bout de 12 minutes. Une fois les 12 minutes écoulées, si vous choisissez du riz basmati, vous laissez votre marmite couverte, comme ça vous avez un riz qui se détache facilement. Et voilà, la préparation est maintenant terminée. Donc j'ai dressé l'assiette, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est très bon et c'est très joli visuellement. Alors moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et commenter. À très bientôt !